Bonjour tout le monde. Alors je vais partager avec vous une petite idée que je viens d'avoir hein, pour terminer ma chasse d'eau. J'ai un souci avec la partie qui devait venir en face, comme ça il y a l'autre de ces trucs pour la demi-chasse qui a cassé au fond le plastique, donc je peux pas l'attacher. Donc ce que je vais faire, c'est faire un autre système où je vais tirer par au-dessus. Et donc on pourra tirer et repousser pour arrêter la chasse dès qu'on veut. Alors pour faire ça, j'ai trouvé une petite idée originale que vous pourrez adapter à vos envies. Il vous suffit de prendre un vieux club de golf. Je l'ai coupé. J'ai percé un trou sur le dessus de mon bloc, enfin plutôt le coffrage de chasse d'eau. Et également, donc à travers la chasse, le plastique de la chasse là-haut. Maintenant, je l'ai fait juste légèrement plus large pour que ça rentre. Mais pas trop large pour que ça s'arrête au niveau de cette espèce de bague. Désolé, j'ai pas tous les termes de golf. Donc là, je vais relier ça. Je pense très simplement avec de l'adhésif. Je vais pas me prendre la tête. Et après, ça me fera ma chasse d'eau comme ça. Donc on va tester. Je vais attacher ça et on va voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai attaché ça avec de l'adhésif très solide. Je vous l'avoue qui est très tuning. Et j'ai relié mon truc. Alors c'est basique, hein. On peut bien sûr perfectionner ça, mais maintenant, hop, je pousse et j'arrête la chasse quand je veux. Donc en plus de permettre des économies d'eau, ça vous fait un truc original et unique. Cerise sur la brosse, j'ai utilisé le reste du manche que j'ai enfoncé de force dans cette vieille brosse. Enfin vieille, en fait elle est neuve, mais je l'utilise pour brosser des pièces de mécanique dehors parce que dès que je l'ai acheté, le manche a pété. Et ben voilà, du coup j'ai trouvé une autre solution. J'ai chauffé le bout du club de golf sur le gaz. Et je l'ai enfoncé dans le plastique et voilà, vous avez un ensemble de golf de WC. Bien sûr, à customiser selon vos passions. C'est vrai que je fais pas mal de mécanique, j'aurais pu mettre un pommeau de vitesse ici. Pourquoi pas un levier de frein là. Enfin voilà, l'imagination n'a pas de limite. À vous de jouer, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Allez, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. N'hésitez pas à partager vos idées aussi. Si on les applique pas, on peut se marrer un coup. Allez, à plus.